Ces Afghans sont arrivés ici après un long voyage, car dans la province du Helmand, où les cliniques sont rares, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sur des routes dangereuses et parfois minées, et traverser plusieurs checkpoints avant d'arriver dans l'hôpital de Bost. Malheureusement, certains patients arrivent à l'hôpital de Bost dans un état très critique. Quand une personne est malade, chez elle, le père refuse souvent de l'emmener à l'hôpital. Il a peur qu'une bombe explose sur le chemin, car il y a des combats dans certains districts. Du coup, les malades ne peuvent pas arriver à l'hôpital à temps. Le premier défi des équipes est donc de réduire le taux de mortalité des patients, malgré l'état critique dans lequel ils arrivent. Chirurgie, maternité, pédiatrie, urgence, le personnel de l'ONG intervient dans tous les départements de l'hôpital et traite plus de 1200 personnes par mois.